Salut à tous, c'est Elise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo book haul. C'est le book haul du mois de septembre et octobre. Pourquoi je vous fais un book haul pour deux mois? Parce que je me suis lancée dans un challenge 3 livres lus, 1 livre acheté et forcément à la fin du mois de septembre, j'avais pas assez de livres à vous présenter et j'allais pas vous faire une vidéo rien que pour deux livres. Du coup, j'ai attendu d'en avoir un petit peu. Là, ça commence à s'empiler, donc je préfère vous faire cette vidéo maintenant. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de livres que j'ai achetés moi-même et quand même quelques-uns qu'on m'a offerts ou que j'ai gagnés en concours. Donc, je vais vous présenter quand même quelques livres. Je vais me retourner parce qu'ils sont juste là et je vais regarder combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 11 livres, voilà, sachant que j'ai dû en acheter 3 maximum. Je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord, un gain de concours, c'est un livre que vous avez dû passer sur la blogosphère ou sur Booktube. Il s'agit de Le Dernier Brûleur d'Étoiles de Sophie Valpiguel. C'est chez France Loisirs et c'est la collection Nouvelles Plumes. C'est un livre qui est assez épais, il fait 853 pages, sachant qu'à l'intérieur c'est écrit moyen, hein, voilà, pas trop gros, pas trop petit. C'est un livre qui me faisait très 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 envie et je l'ai gagné en concours et j'étais très très contente. Je vais vous lire le résumé donc, qui se trouve à l'arrière pour éviter de vous dire des bêtises, voilà. Donc, à la suite d'un étrange cauchemar, la vie de Gwen Vael bascule. Contraint de fuir l'orphelinat où il vit depuis toujours, le jeune homme tente de donner un sens aux mystérieuses paroles prononcées par le directeur de l'institut juste avant son départ. Trouve Calypso. Lorsqu'il est attaqué par une horde d'hommes des bois et capturé par un redoutable guerrier, Gwen Vael comprend qu'il a franchi les portes de notre monde. Et s'il n'avait pas toujours vécu à l'orphelinat, s'il était celui qu'ils attendaient tous. Voilà, donc le dernier brûleur d'étoiles qui me faisait très très envie et que j'ai enfin avec moi. Ensuite, un livre que vous avez déjà vu passer parce que je vous l'ai présenté. Il s'agit de J.G. Bayard, donc Le Monde Englouti. Chez Folio, collection Folio SF. Donc, c'est un petit livre que j'ai reçu avec la cube, donc que j'ai testé grâce à Séverine de la chaîne Blogueuse Livresse, que je remercie encore mille fois pour ça. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Donc si vous voulez aller voir un petit peu ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, on arrive aux cadeaux, les cadeaux que mon chéri me fait. Faut savoir qu'on est des gros lecteurs tous les deux, il a sa bibliothèque juste ici, donc, et la mienne est juste là, bon, j'ai une plus grosse bibliothèque que lui, mais bon, il pique souvent dans ma bibliothèque, d'ailleurs là, il est en train de lire un livre qu'il y a dans ma bibliothèque. Voilà, donc, il m'a offert un livre que j'attendais impatiemment. Il s'agit de Angor de Franck Tillès chez Pocket. En fait, il vient remplir ma collection de Tillets qui sont juste ici en fait. Je le voulais en petit format parce que je les ai tous en petit format sauf le dernier, donc Pandemia, que j'ai acheté en grand format dès sa sortie. Et qu'il me tarde de lire en fait. Voilà, donc Angor, c'est encore une enquête du commissaire Charcot et de Lucie et de Belle, donc que l'on retrouve ici tous les deux à nouveau. Il me tarde de pouvoir savoir ce qui se passe dans ces romans-là. Comme vous le savez, j'adore Franck Tillet, c'est un de mes auteurs préférés de tous les temps. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, je vais peut-être aller le voir en dédicace
à Blagnac le 21 novembre. Il me tarde vraiment beaucoup et j'espère qu'on pourra y aller avec mon copain. Enfin bref, voilà. Ensuite, un autre roman. Alors ça, c'est à cause de Myriam de la chaîne Un jour, un livre. Si je ne me trompe pas, elle l'avait présenté. Et de suite, elle m'avait donné très très envie de le lire. En plus, la couverture m'avait tapé à l'œil directement. Elle en avait fait un résumé et j'avais juste adoré. Donc mon copain, forcément, me l'a acheté. Il me l'a acheté pour deux raisons. Pour cette raison-là, parce qu'il savait que j'en avais très envie. Et parce que lui aussi en avait très envie. Donc me l'acheter, ça revenait à se faire plaisir à lui aussi. Donc il était assez content. Et un jour, il est arrivé avec donc Carnaval de Ray Célestin. Et c'est chez Le Cherche Midi. Voilà, donc je vais vous lire juste les trois petites phrases qu'il y a juste là. La Nouvelle-Orléans, 1919. Tandis que la musique envahit la ville, un tueur frappe. J'ai envie de dire, hein, il n'en faut pas beaucoup plus pour moi pour me lancer dans ce roman-là. Voilà, moi, la manière dont Myriam en avait parlé, ça m'avait beaucoup plu. Allez voir sa chaîne, vous verrez, elle a fait une vidéo dessus et même une vidéo concours. Donc, allez voir, vous verrez, ça donne très très envie. Ensuite, donc... des petits achats, donc ceux-là, le prochain que je vais vous montrer, je ne le compte pas dans mes achats, 3 livres lus, 1 livre acheté, parce que vous allez voir, c'est un tout petit album, en fait, qui est lu en 5 minutes, et c'est parce que dans mon boulot, j'en avais entendu parler, je l'avais vu, et là, on est allé dans un magasin qui vient d'ouvrir, cette année à Canet-en-Roussillon qui fait du déstockage et il était à 3 €. Il s'agit de Mon Trésor. Alors c'est de Aline Aonde et c'est chez Albin Michel Jeunesse. Voilà, c'est un petit album. Je vais vous faire voir juste la première page pour vous faire voir un peu comment c'est et vous prouver qu'il n'y a pas vraiment beaucoup à lire, hein. Voilà, il y a ça à lire et vous avez, hop, la page juste après. Voilà, après vous en avez, c'est un petit album pour les enfants, pour les plus petits. Dans ce même magasin, avec mon copain, on a trouvé un livre qui nous faisait plutôt envie en fait. Il est plutôt étrange, je vais vous le faire voir. C'est la première fois que je lirai ce genre de livre. Donc il s'agit de Batman, Meurtre au manoir des Wayne, écrit par Juan Swierczynski, illustré par David Lafamme, et c'est une énigme interactive. Bon, vous voyez le prix, il y a écrit 6 €, j'ai pas pu encore décoller l'étiquette correctement. Et en fait, vous allez lire... Alors, hop, vous allez lire... Voyez, hop, de temps en temps il y a des illustrations et au bout d'un moment eh bien vous avez une énigme, voilà, vous avez des petites preuves, des petites choses qui vous sont données pour vous faire découvrir qui est le tueur, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, vous avez plusieurs fiches et on a trouvé ça super intéressant. Avec mon copain, on s'est dit, ouais, ça peut être bien pour une soirée qu'on a envie de passer tous les deux. Chercher tous les deux, enquêter, etc. C'est lui un peu qui m'a plongée dans l'univers policier, enquête, thriller, etc. Et du coup, eh bien, ça nous fera passer une très bonne soirée ensemble. Ensuite, alors, un autre cadeau. Il s'agit de Le secret du puits de Paul Gauguin, donc, et c'est Michel Demion qui l'a écrit. C'est chez un éditeur qui habite juste à côté de chez moi, donc. Il s'agit des éditions Alexandra de Saint-Prix et c'est un thriller.
Je dois dire que je n'ai pas encore très bien regardé le résumé, donc je vais le lire avec vous. Donc, sa fille a disparu. Un père éploré demande à Frank, aventurier et humaniste, de l'aider à la retrouver. C'est le début d'une aventure violente dans le monde Interpol de la peinture. La mort et la torture seront présentes comme des contrepoints à la beauté des couleurs et des formes de Paul Gauguin. De Lorient à Château-Gontier en passant par Paris, il lui faudra pour cette traque parcourir beaucoup de kilomètres et affronter de redoutables et dangereux adversaires. Elle le conduira à découvrir les dernières années de celui qui disait « la couleur est vibration, de même que la musique ». L'envie s'impose d'écouter sonner la peinture dans toute sa puissance. On s'en étonne, on s'en pénètre, on en jouit. La musique de cette aventure, pour Franck, j'ai entendu le cri que fait la mort. Voilà. J'espère que je me régalerai avec ce thriller. Il est assez court, je dois dire. Donc, il fait 216 pages. Donc, on verra. Je vous en dirai des nouvelles. Je vais le lire aussi pour mon travail. Ensuite, cette fois-ci, on passe à un achat. Un achat qui me fait envie depuis un bon moment. Ça fait assez longtemps, j'en entends parler souvent. Il y a son adaptation cinématographique qui va sortir en 2016. Donc il est temps que je le lise. Il s'agit de La cinquième vague. Donc c'est de Rick Yancey. Et c'est chez Robert Laffont, collection R comme d'habitude. Je pense que vous en avez tous entendu parler, et si vous n'en avez pas entendu parler, je pense que vous en entendrez parler lors de la sortie cinématographique. Alors, j'ai vu la bande-annonce et j'avoue que ça me fait mais tellement envie. Donc pareil, il y a même un nouveau concept, un concept de vague. La première vague, extinction des feux. Deuxième vague, déferlante. Troisième vague, pandémie. Quatrième vague, silence. À l'aube de la cinquième vague, sur une autoroute désertée, Cassie tente de leur échapper. Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser leur chemin. Eux, qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, ce garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère, du moins si Evan est bien celui qu'il prétend. Ils connaissent notre manière de penser, ils savent comment nous exterminer, ils nous ont enlevé toute raison de vivre, ils viennent maintenant nous arracher ce pourquoi nous sommes prêts à mourir. Et c'est une trilogie, donc le deuxième tome c'est La Mer Infinie que j'achèterai bien sûr. Et après, je ne sais pas, le troisième tome je crois que j'avais regardé sur internet, il me semble que c'était en mai mais je ne suis pas sûre. Voilà, la cinquième vague, alors il est un petit peu épais aussi, hein. Il fait 595 pages. Donc voilà. Ensuite, encore un achat, mais celui-là ne compte pas non plus dans mon challenge. Il s'agit de Isha, de Olivier Tsine. Donc Isha, c'est le petit renard des neiges, c'est lui. Voilà, on va suivre ce petit Isha. Alors, moi, ce qui m'a vraiment attirée, c'est la beauté du dessin. Voilà, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi déjà cette couleur bleutée, alors là déjà j'adore la couleur, mais en plus ce petit Isha là, il m'a beaucoup plu. Donc je me le suis fait dédicacer, voilà, par l'auteur illustrateur. Donc j'étais très contente, je l'ai vu faire, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, je voulais vous faire voir les petites images. Donc vous voyez, c'est toujours celle-là, c'est ma préférée. Je le trouve juste magnifique, ce petit renard Isha. Et on suit son histoire qui est vraiment très attendrissante.
C'est son premier album tout seul parce qu'il a déjà fait des illustrations pour des auteurs. Mais là, c'est son premier album tout seul. Je vous conseille d'aller l'acheter. Il coûte 12,90€, donc autant vous dire pas grand chose. C'est chez les éditions Alexandra de Saint-Prix. Donc c'est les fameuses éditions dont je vous parlais. C'est les mêmes éditions que ce livre-là. Voilà, c'est les mêmes éditions. C'est la maison d'édition qui est juste à côté de chez moi. En fait, il faut savoir que hier, je suis allée au Salon du Livre et du Chocolat de Sainte-Marie-la-Mer, donc dans les Pyrénées-Orientales. C'est juste à côté de chez moi. C'est l'éditrice donc de Alexandra de Saint-Prix qui avait organisé le salon et c'est à cet endroit que j'ai pu acheter Isha, et celui-là était en vente aussi, mais celui-là on me l'avait offert. Ensuite, dans ce même salon, j'ai acheté deux autres livres, un pour le boulot donc, et un parce qu'il m'a fait envie et que l'auteur m'en a parlé assez bien, je dois dire, donc j'ai tenté. Tout d'abord, le premier pour le boulot, il s'agit de Robert Azaïs, Les Croisés de l'Apocalypse. Donc, et c'est chez TDO Éditions. Donc, juste par curiosité, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire TDO. Je sais pas. Bon, collection Histoire du Sud. Donc, ben, c'est une histoire proche de chez moi, puisque ça va parler un peu de Carcassonne, donc dans l'Aude. Robert Azaïs, c'est un auteur qui est très connu dans la région, dans le département. Ça fait un moment que ça me donne envie, en fait. J'adore la couverture. Ça va parler, eh bien, de croisades, me semble-t-il. Voilà, c'est sur fond d'histoire. C'est un historien, l'auteur, à la base. Donc voilà, je vais le lire très prochainement et je vous en dirai des nouvelles, donc voilà. Et le dernier livre, voilà, on arrive à la fin. Il s'agit de La Fuite de Bertrand de Michel Grossi, donc c'est chez Le Fil des Mots, donc c'est le tome 1, sachant qu'il y a un tome 2 après, il me semble que c'est La Route de Bertrand ou quelque chose comme ça. Je vais vous lire le résumé à l'arrière. Donc Bertrand, nonchalant, est dans le train le ramenant de Bordeaux où il travaille pour Toulouse où il habite. Marie, sa femme, vient d'accoucher. Un incident survient dans le wagon qui empêche Bertrand de descendre du train. Puis, harassé, il s'endort, se réveille en Italie et décide de ne plus rentrer. Marie comprend alors ses erreurs et décide de le retrouver. Bertrand parcourt l'Italie, puis continue son chemin avec son mal-être ou son soulagement, tout en découvrant la liberté. Quel destin pour Marie, cette femme abandonnée, et pour Graziella, leur fille. Quel destin pour cet homme qui a tout quitté pour une autre vie à la recherche du bonheur. Voilà, moi j'ai bien aimé le concept de cet homme qui en fait est en train de lâcher prise. Il est mal et il s'en va, il va chercher dans d'autres contrées un peu de bonheur. Je pense qu'il va essayer d'aller chercher comment dire, un certain apaisement et de se construire. C'est un livre qui fait 198 pages, donc autant vous dire que ça va être assez rapidement lu. En plus, c'est écrit quand même assez gros, vous voyez, hop, écrit assez gros. Donc, eh bien, je vous en dirai aussi des nouvelles. Résultat, donc, de tout ce boucol. Hop. Voilà. Mais je dois dire que je suis assez contente parce que quand même, j'en ai acheté très peu. C'est toujours des cadeaux. D'ailleurs, il faut que je vous dise, petit message, arrêtez, surtout mon copain, arrête de m'acheter des livres, j'en ai assez à lire. Je ne pourrai pas les lire tous là d'ici quelques mois, donc arrête s'il te plaît, histoire que je puisse vider un peu ma palle. Voilà, petit message. Voilà, donc dites-moi si vous avez lu certains de ces bouquins, si vous les avez aimés, s'il y en a qui vous font envie,
S'il y en a que vous ne connaissiez pas, enfin bref, vous pouvez me parler, il n'y a pas de souci. Autre petit message, cette fois-ci c'est pour vous qui me regardez. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, de commenter, j'adore parler avec vous. Donc merci, merci, merci. Je pensais pas en ouvrant cette chaîne qu'on serait aussi nombreux. Et j'en suis vraiment ravie. Alors je ne vous le dis pas assez. Je sais. D'ailleurs, à chaque fois, je me dis « Ah, mais c'est super, ils commentent. Voilà, j'adore discuter avec vous, mais je pense jamais à vous le dire en vidéo. » Donc cette fois-ci, je vous le dis. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !